Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. L'église de Guermouche à Urfa, en Arménie occidentale, a de nouveau été pillée. Poutine et Macron ont discuté de la question de l'Artsakh. Turcologue, l'Arménie doit garder des lignes rouges dans les négociations avec la Turquie. Séjour à Yozgat, en Arménie occidentale. Quels sont les problèmes du centre scientifique Qajar? Le chef résume le travail de l'année écoulée. L'église Saint-Astvatatine de Karintak en Artsakh a été vandalisée. L'église arménienne de Guermouche dans la région de Haliliye en Arménie occidentale, construite au XIXe siècle, a été abandonnée à son sort. L'église historique est admirée pour son architecture colorée. Les promesses de reconstruire l'église qui reste encore debout à ce jour restent dans l'air. L'église n'a fait l'objet d'aucun travail de conservation ou de restauration. L'église, qui a été pillée après le génocide des Arméniens en 1915, est désormais la cible des chasseurs de trésors. Non seulement cette église, mais aussi des tombes ont été démolies, des écoles détruites et des colonies de peuplement anéanties. Seuls les vestiges des monastères de Saint-Hovanès, Saint-Hadevos, Saint-Jacob et Saint-Mina subsistent dans les environs du village. La Russie et la France ont confirmé l'importance du travail des co-présidents du groupe de Minsk de l'OSCE dans le règlement du conflit de l'Artsakh. C'est ce qu'a déclaré le président russe Vladimir Poutine à l'issue de ses entretiens avec Emmanuel Macron. Lors de l'examen de la situation autour de l'Artsakh, le rôle positif des soldats de la paix russe qui font respecter le cessez-le-feu et aident les jeunes à retrouver une vie paisible a été souligné. Nous avons confirmé l'importance des coprésidents du groupe de Minsk, de l'OSCE, dans la résolution des questions humanitaires, sociales et économiques dans la région, a déclaré le président russe. Macron a également présenté les résultats d'une récente vidéoconférence avec le président du Conseil de l'Europe, Charles Michel, et les dirigeants de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Dans ses négociations avec la Turquie, l'Arménie doit s'en tenir strictement à ses lignes rouges et ne les franchit en aucun cas. Cette opinion a été exprimée par Ruben Safrastian, académicien de l'Académie nationale arménienne des sciences, un turcologue. Le génocide des Arméniens, sa reconnaissance, la question de l'Artsakh, le traité de Kars, toutes ces questions et problèmes sont étroitement liés à l'identité du peuple arménien. Et ce, aussi bien en Arménie et en Artsakh qu'en Arménie occidentale. Les intérêts de nos compatriotes en exil doivent être pris en compte. Je pense qu'il serait bon que nos autorités discutent avec eux l'évolution du processus de négociation avec la Turquie, a-t-il déclaré. La ratification de la déclaration de Chouchi confère essentiellement une légitimité à la coordination déjà existante entre Ankara et Bakou. Pour ces démarches envers l'Arménie, d'une manière ou d'une autre, les Turcs et les Azerbaïdjanais ne renonceront pas à leur objectif commun de voir l'Artsakh faire partie de l'Azerbaïdjan et ils le poursuivront de toutes leurs forces. Je ne vois personnellement aucune perspective pour l'Arménie dans le processus actuel de normalisation des relations avec la Turquie, a conclu Safrastian. Les autorités turques et azerbaïdjanais, par leur déclaration de Chouchi en 2021, ont voulu remplacer la déclaration de Chouchi du Conseil national d'Arménie occidentale en date du 17 décembre 2004. Les Arméniens de la région de Yozgat, en Arménie occidentale, attachent une grande importance aux fêtes traditionnelles arméniennes et célèbrent toujours chacune d'entre elles. Ces festivals et rituels sont souvent des représentations uniques qui peuvent varier en fonction de la situation géographique du village, de la ville et du district. Dans Chouchi occupé, perdant les matériaux et les documents d'importance historique collectés et scientifiquement développés par le Centre scientifique Qajar pendant 14 ans, toute la propriété de la bibliothèque et des bureaux pour compenser leur manque, l'amélioration et l'expansion du Centre scientifique Qajar site web est devenue une priorité, fournira des informations aux chercheurs pour rendre le fonds disponible. C'est ce qu'a déclaré le président de l'ONG du Centre scientifique Qajar, candidat aux sciences historiques Meher Harutsunyan, faisant référence aux activités de l'organisation en 2021. Selon M. Harutsunyan, une collection de documents pour la conférence internationale en ligne consacrée au 100e anniversaire du génocide des Arméniens à Chouchi a été publiée pour publication avec le soutien du ministère de l'Éducation et des Sciences, d'autres colonies arméniennes.
En mars 2021, un utilisateur appelé Karabakh Honor a publié sur sa chaîne YouTube une vidéo montrant l'église Saint-Astvatsatin de Kalintak, passée sous contrôle azerbaïdjanais après la guerre de 44 jours, en train d'être vandalisée. Le site Monitoring Watch, qui surveille le patrimoine culturel de l'Artsakh, en parle. La vidéo montre clairement que le tronc du tabernacle de l'église est brisé, que l'intérieur de l'église est mis en dessous-dessous, que des soldats azerbaïdjanais escaladent le tabernacle, le profanent et pénètrent dans les voûtes, qui ont également été mises en dessous-dessous. Selon l'article 4 de la Convention de l'AE de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, tout acte de vandalisme, de vol, d'hostilité ou de représailles est interdit. Un tel acte est considéré comme un crime international en vertu de l'article 15. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.